Bonjour et bienvenue, on repart un peu dans War Tales, donc deuxième épisode. Je continue cette petite série parce que bah, de 1, ça aide un peu les gens. Donc pourquoi pas, c'est toujours assez intéressant de recommencer une partie, surtout en extrême, nouvelle difficulté qui est sortie. Et aussi, c'est que je suis en train de préparer une sorte d'épisode de comparatif entre les versions zonées et les versions adaptatives du jeu. Donc j'essaye de... En gros, j'ai fait une sorte de miroir avec une deuxième partie adaptative et je vais faire exactement les mêmes choses. Donc je me suis dit, pourquoi pas continuer, en fait, dans un sens, les deux séries. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc la dernière fois, on s'était arrêté donc devant la Syrie, si je me rappelle bien. C'est ça, donc devant la Syrie. Et on a une mission, c'est de kidnapper des gens. Et aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait tué donc des sangliers qui nous avaient donné du cuir. Et on a du cuir et du métal. Du coup, on peut faire ça. Non, il faut du cuir et du tissu. J'ai rien dit. Par contre, on peut faire des targes. On peut faire des targes. Ça peut être pas mal. Je vais voir. Il nous faudrait, à la limite, deux targes. Et ça, c'est du tissu ou du cuir? J'ai cru que c'était du cuir. Bon, on verra ça. Mais on pourrait faire deux targes à la limite. Ça pourrait être... je pense que ça pourrait être utile. Donc ouais, dans tous les cas, on va, je pense, rentrer. Et on va voir si on trouve des gens sur le chemin. On a la police aux fesses. Non, ça va. C'est fausse alerte. On va essayer de pas trop les énerver, par contre. Alors, est-ce qu'on peut te vendre des trucs? Non, pas vraiment. Par contre, si on t'attaque, vous êtes déjà niveau 3. Ouais, vous êtes assez vénère. Ok, ça marche. Donc ça, ce sont les réfugiés. Donc ce sont les réfugiés qu'il faut attaquer. En fait. Donc ils devraient ressortir dans pas très longtemps. Je vais d'abord voir si je peux pas faire... quelque chose d'intéressant. Donc il nous faudrait du tissu. C'est bête qu'on a du cuir. On va faire deux targes, je pense. Je pense qu'on va faire deux targes. Ok, très bien. En plus, apprenti, c'est bien. Nickel, on va en faire bah, pas de deuxième parce qu'on n'a pas de bois, c'est pas grave. Donc toi, et normalement c'est les deux, ouais c'est les deux mêmes. Ok, ça marche, donc on est à 30, 19, c'est très bien, 13%, c'est nickel, c'est très très bien. Alors on a, j'avais dit quoi? Le rationnement, comme ça on mangera un peu moins. Très bien. Voilà, c'est nickel. On va voir un peu les missions qu'il nous propose. On n'a pas grand chose. On a ça. Aide demandée, réfugié désespéré. On peut prendre ça. Vous voyez que c'est devenu facile maintenant pour nous. Donc ça devrait aller. Parce qu'on a monté de niveau en fait. Tout simplement. Alors, du coup, on devrait partir, je pense. Là-bas il va y avoir une histoire. Par contre, je voudrais bien attaquer des... Alors, on va devoir peut-être se balader un peu pour... Ah, ils sont là. Ah là là. Ils sont juste là, mais on est fatigué. On va avoir un debuff, je crois que c'est 30% ouais, de dex et tout ça en moins. Donc on va pas le faire. Là, c'est... Il faut un érudit, donc c'est pas grave. Là, comme ça, ils sont tous les uns à côté des autres. On va manger ça, parce que les carcasses, pour le moment, c'est pas vraiment très très intéressant. Ça. Hop. Ça va prendre des temps. Ça, des mathématiques, c'est bien. Je pense pas que je puisse le faire. 15, c'est bon. Espérons qu'on va pas se faire attaquer. Alors là on a quoi? Ça y est, on a des réfugiés. Alors on peut se mettre en embuscade, je vais voir si ça marche. Ok. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je pense pas. Hein. Donc on peut leur donner des pommes pour de l'influence. Mais nous on veut les attaquer. Il y en a 6. Et il y a des renforts. Ça va être chaud.
Ça va être extrêmement chaud de les combattre en fait. On va tester. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Être compliqué. Donc le problème en fait c'est qu'ils ont pas vraiment des bonnes armures ou quoi que ce soit, mais ils ont des torches. Les torches font mal parce que les torches peuvent mettre le feu. Et donc on va se mettre tous d'un côté. Ouais, ça va être très très compliqué de jouer, tu vois. Ah, ils font pas le coup de torche? C'est fini ça? Ils sont devenus un tout petit peu plus cléments. C'est joli. La chose qui serait bien, c'est d'en kidnapper un direct. Comme ça, on les fait fuir. Après. Après, ils fuiront. Ça peut être pas mal de faire ça. Ils font pas très mal. Ok, très bien. Là, on va pouvoir le kidnapper, lui, normalement. Donc ça devrait aller. Maintenant, on va voir les renforts. De là. Ah, ça fait beaucoup. Mais on a eu de la chance, ils sont venus surtout là. Ok, très bien. On va pouvoir, je pense, s'en charger. Donc capturer, 91%, nickel. Donc ça en fait un, très bien. Ah, très bien. On va essayer de tuer les trois qui sont en bas. C'est le plus important. Ok, très bien. Tant qu'ils ont de l'armure, ça va, ça passe. Voilà, ça va. Lui, il a zéro arme. Alors, je crois qu'ils ont dû changer leur IA parce que avant ils mettaient masse de. Je vais voir, toi tu peux aller jusqu'où? Jusque là, toi tu peux aller jusque là aussi. Ok, ça marche. On va se mettre comme ça. Suis quasiment sûr qu'ils ont changé leur IA parce que avant en fait ils faisaient tout le temps. Toutes les personnes en fait qui ont une arme en main gauche les utilisent. Tout le temps. Et là apparemment non. Pas automatiquement en tout cas. Non, non, toujours pas. Mais pourtant, il peut bien le faire. Oui, il a coup de torche. Donc techniquement, ils sont plus faciles. Ça, c'est intéressant, ça, c'est bien. Alors, nous, on va se mettre, on va se positionner. Je vais directement attaquer lui. On va le tuer. Très bien. Ah, presque. Là, ils vont s'attrouper en fait, donc ça va faire un petit groupe. Donc du coup, ils vont plus se gêner les uns les autres qu'autre chose. Ça va, c'est pas trop grave. Très bien. On va faire ça.
J'aurais peut-être pas dû me mettre là parce que je peux pas le toucher. Lui. Donc c'est peut-être pas très très intelligent de ma part, mais ça devrait aller. Faut s'occuper de lui. Très bien. Ils vont commencer à perdre le moral après. Le combat est difficile. Hein. J'avais pas pensé à ça. Ok, très bien. Non. Ça c'est quoi? Dégâts subis à la prochaine attaque 70%. Non, ça nous aide pas vraiment. Ça nous aide par contre. J'aurais dû peut-être jouer notre tank pour pouvoir tuer lui directement, je sais pas, c'est pas très grave. On va se débrouiller. Ok, très bien. Affaiblissement. Toi tu fais un peu chier d'être bloqué en fait avec l'archer, je pensais vraiment pas que t'allais faire ça. Se mettre ouais non c'est bien là, ça devrait fonctionner. Il y a l'archer, il faut que on va devoir se désengager, ça va faire mal mais on est obligé. Si jamais on veut faire des dégâts on est obligé de se désengager là. On va laisser fuir. On va laisser fuir. Ça marche. Ben voilà. Ça marche. Nickel. Parfait. Et on a donc notre prisonnier. Notre premier prisonnier. Donc ça s'est super bien passé. On a récupéré un gourdin. Encore une fois, on peut pas l'utiliser. Donc c'est un peu de la perte pour nous. C'est quoi ? Mais voilà. Ça s'est super bien passé, honnêtement. Mais ils sont beaucoup plus simples qu'avant. Parce que honnêtement, à l'époque où je jouais, genre avant la 1.0, il tapait et il faisait un coup de torche. C'est ça qui était extrêmement, extrêmement dangereux. Du coup, et en fait, honnêtement, ils étaient des fois plus dangereux que les contrats que vous pouvez trouver en fait sur la route. Parce qu'au début, gérer le feu, bah, c'est pas quelque chose... Enfin, en gros, gérer les dots en général, c'est pas quelque chose qui est très, très simple à faire, en fait. Donc ouais. Du coup. La Syrie... Ah, on est loin de la Syrie, merde. On est reparti. On est aussi loin de la Syrie, c'est là la Syrie? Oui, c'est là. Je vais juste regarder ce qu'on peut pas. Parce que j'ai pas trop fait attention à ce qu'on avait. Ok, on peut faire un Hardess. On a. Comme d'habitude, sauvegarder avant. Comme ça, si vous êtes un peu limité en. En matériaux, vous pouvez recommencer si vous vous loupez. C'est un peu... C'est pas de la triche, c'est un peu d'exploitation de la sauvegarde. Mais bon, honnêtement, c'est pas comme si le mini-jeu était difficile. Ok, donc ça c'est très bien. Alors hop, voilà, un peu plus d'armure, c'est bien. Notre équipe s'améliore. Toi pareil, voilà. Tout le monde s'améliore petit à petit. Donc ça c'est une très bonne chose. Ah, il y a ça qui est moins cher, ça en vert. Je pense pas qu'on en ait vraiment besoin. On va garder ça, c'est très bien.
Non, ça va. Pour la nourriture, on a quoi? On a un jour. Oui, on a un jour parce qu'on a lui là en plus. C'est ça, un peu embêtant. Ok, très bien. On va regarder les contrats. Might she be looking for? Ok, ça marche. Tout est devenu facile en fait. Ça marche, nickel. Alors, hop. Donc on va le ramener. Je vais voir un peu ce qu'ils vendent. Ok, c'est les mêmes que tout à l'heure. Aïe aïe aïe. On est bon. Donc voilà. Donc on va ramener notre personne. Tick-tock, Tic-tac. tick-tock, time's... Et on a lui 30, donc on va se faire 30. I think this is the beginning of a very profitable partnership. Voilà, parfait. We're always recruiting, you know. Donc à chaque fois qu'on va livrer un prisonnier, en fait, on va avoir 5 de bois, qui est honnêtement vraiment cool au début du jeu. 10 d'influence, c'est bien. Et surtout, on va avoir 30 pièces d'or, 30 crowns en fait. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus utile, c'est ça. Par contre, à chaque fois, il faut utiliser, faut faire attention à tout le temps avoir des chaînes. Et là, on n'a qu'une seule chaîne, donc on peut capturer qu'une seule personne à la fois. Mais vous avez vu, le combat, il n'est pas extrêmement difficile, même s'il fait un peu peur au début. Mais voilà. Est-ce qu'on peut faire un... pêcheur, bricoleur, mineur, forgeron. Non, on peut pas faire un bûcheron pour le moment. On peut pas faire un bûcheron. Non, on peut pas. C'est bête parce qu'on pourrait avoir du bois, en fait, facilement. Mais bon, c'est pas grave. On a eu la voix aussi qui a augmenté, donc on a récupéré ça. Donc dépenser 5 points de connaissance, on peut récupérer un point. Très bien. Alors, maintenant... Maintenant, que faire? Laissez-moi un peu réfléchir. Ok, je crois qu'on va continuer notre exploration par ce chemin-là, si on peut. Et on va essayer de rejoindre la bande. Ça fait un peu loin, en fait, honnêtement. Ça fait légèrement loin. On va devoir se reposer. Je crois que là c'est quoi? Ah oui, mais là c'est pour le village du tra des trackers, je crois, parce que c'est la neige. Ouais. On arrive à la neige. On va dormir. Alors, très bien. Là c'est un érudit. On va verser, ça va, on a l'argent, il n'y a pas de problème. On va pas mettre de... Ok, très bien. Il nous faut de la nourriture. Il nous faut un peu de nourriture. Quelqu'un qui veut parler. Alors, encore un peu, je vais me faire un nom, même la Légion voudra m'embaucher un guerrier comme moi. Donc on pourrait avoir un peu de bravoure en plus. Ah, point d'attribut. Let's go. Point d'attribut supplémentaire, ça c'est rare. Donc ça c'est important. Donc un combattant, on va te mettre de la force. Très bien. Oh mince! Wanted for a number of crimes. We will not let you go until you have paid the fines you owe. Don't take it personally. On va voir si on les combat. Si on les combat, ils sont niveau 2. Il y en a 3. Ok, ça marche. Ils sont directement niveau 2 en fait. Donc on va pas les combattre. On va payer. C'est pas grave. Thank you for your contribution. But don't let this happen again. Ça marche, ça marche, ça marche. C'est pas grave, ça arrive. On s'est fait. Ils étaient juste devant nous, quoi. Ok, on va trouver du métal. Ça, c'est le camp des trackers. Alors, on va faire un contrat qui est pas loin, mais le mieux, honnêtement, ça serait d'aller faire en boucle, en fait, là aussi, il y a du bois. Faire en boucle la récupération des gens, là, des réfugiés, en fait, et de les livrer. Parce que c'est de l'argent facile, c'est de l'influence facile, c'est du bois facile. Le bois, ça permet de crafter, etc. Donc, c'est honnêtement vachement bien. Don't even bother trying to sell me your filth. I'm Alors. in need of fangs to accomplish our ancient Eux, ils rituals. veulent des crocs, parfait, en parfait état. On en a que 13.
On va prendre un de ça pour le moment parce qu'on a besoin de nourriture. Name's Brennan. If you want to join alors lui veut qu'on fasse la traque, donc on a récupéré le papier pour la traque, donc ça c'est bien. Toi c'est de la peinture pour plus tard. Toi. On s'en fout, on va pas parler plus que ça. On y va. J'ai vu des animaux là-dedans, derrière, voilà. Donc on va essayer de les prendre. Par contre ils sont rouges. Donc ça va être un peu embêtant. Ok, ils sont niveau 3. Des renforts arrivent. 5 sangliers, une lait. Non, c'est bon. ça ira. J'ai déjà fait un miracle avec les réfugiés. Le deuxième, ça va pas être un miracle, ça va être un carnage. Alors, on va essayer d'aller attaquer les gens qui sont juste là. Non, la deuxième fois, ça va très mal se passer. Très bien. On a niveau 1, truand 2, braconnier 1. Donc ça va. Donc on... Bah ils sont 4 en fait. Il y a un chef. Il y a un chef. Donc le leader, lui, il donne de la force d'ex-constitution. De 30% pour lui et aussi donne l'agressivité, les critiques augmentées de 30%. C'est les critiques ou les dégâts? Les critiques augmentées de 30%. Donc il va faire très mal ce con. Enfin, ils vont tous faire très mal. Donc le mieux c'est de tuer le chef très vite, si on peut. Donc. Go le chef. Quoique, bon, maintenant j'ai bougé, c'est trop tard. Ok, très bien. Parce que lui, du coup, il va être dans le dos. C'est important de combattre, de tuer le chef en fait en premier. Beau tir. J'avoue, beau tir. On va tirer sur lui du coup. Ouh! Yes! Ça c'est bon ça. Faire gaffe parce que lui il fait mal. Enfin, ils font tous mal à cause du chef en fait. Faut absolument se débarrasser du chef. Ah bah il vient de tuer son pote, c'est bien. C'est pas trop grave, lui faut pas qu'il bouge, on peut le soigner et tout, y a pas trop de problème. Y a que lui en fait qui a un peu le tir libre. Et il jouera en dernier, ça marche. Donc on est à 3 de poison, on va faire 5 de dégâts. Si je fais ça, je pourrais le tuer avec... Ah, fait chier. Et il va mourir du poison. Par contre, on va devoir le tuer d'abord. Parce que si je le tue pas, il va faire encore son attaque tourbillonnante. Et il va me tuer, mon mec. Voilà, très bien. Alors là on a ça. Intéressant. Alors maintenant on a ces iris de neige qui sont assez intéressantes, qui peuvent vous soigner en fait. Hop là, elles vous soignent en fait des altérations d'état. Ça n'existait pas encore une fois. Donc je vais être honnête, ceux qui jouent maintenant, vous avez vraiment de la chance. Parce que là mon perso est mort. Alors, avant, si on était à l'époque où ça n'existait pas, mon perso serait mort. Donc, vous avez beaucoup de chance les nouveaux joueurs.
Très bien, on l'engage pour éviter qu'il nous tire sur notre pote. Très bien. On va te tuer. Alors, j'aurais bien voulu voir combien il va prendre de dégâts. Je pense que ça passe. On va les tuer, je pense que ça passe. Ah, mais je peux le soigner en fait. Parce que de toute façon, c'est des points temporaires, donc je peux le soigner. Voilà. Très bien. Dangereux hein, ce coup avec les nuages de poison. Parce que c'est deux de poison si vous rentrez dedans et si vous restez dedans. Donc très très dangereux. Voilà. Eh ben, c'était chaud. C'était chaud, mais on a eu des bonnes récompenses. Ah, j'aurais pas dû réparer mes armures. Parce que là, on a une nouvelle armure. Ok, on a récupéré un peu d'argent. Alors, monsieur Rôdeur. Hop. On va mettre critique. Très bien. Alors, on a eu ça. Donc, ça, c'est une armure légère. Armure 10, critique. D'accord que ça, c'est que armure 12. Là, on a un peu moins, mais on a du critique, de la volonté, du mouvement. Ouais. Non, non, ça va être lui qui la prend. Tu peux pas, parce que non, t'es pas niveau 3. Donc, t'as pas encore accès à ça. Ah, c'est embêtant, ça. Par contre, eux, ils peuvent. Parce qu'ils ont déjà leur spécialité. Et oui, si vous pouvez équiper de l'armure lourde, ça veut dire que vous pouvez équiper aussi de l'armure moyenne et légère, évidemment. Donc, du coup, bah, ça va aller pour... Qui c'est qui a un bon critique? T'as 9 de critique. Tiens, tu vas prendre ça. Et toi, tu vas prendre ça. Voilà. On fait au mieux, hein. Mais une armure, encore une fois, légendaire, une étoile et tout ça, ça aussi, hein, vous en trouviez pas avant. Vous en trouviez pas du tout. Donc ouais. Donc ça aussi, c'est une chose que les nouveaux joueurs vont apprécier. Parce que moi, c'était la merde. Moi, c'était du gris. Voilà, et du gris. Vous débrouillez avec ça. Ok, maintenant, la suite. Je pense qu'on va... Ah oui, il y a un truc là. Je pense qu'on va devoir essayer de revenir vers Stromcap pour récupérer notre argent. Déjà. Et récupérer un peu de nourriture, en fait, sur le chemin. On est reparti, on va prendre ça. Là on a des... C'est quoi? C'est juste des... Des réfugiés. Je crois que c'est juste des réfugiés. We came to hunt for food for our family, beginning to wonder if we did the right thing coming here. But now that we're here, we can't go back empty-handed. Ah, on peut leur donner du gibier pour deux pitons. Pitons, c'est pas mal. Ou alors, on les... On les convainc de partir, expliquer que cette montagne est extrêmement dangereuse pour les chasseurs inexpérimentés, et on récupère de la corde à la place. Je dirais pas non pour les pitons, mais je sais plus qu'est-ce qu'il faut pour les faire, les pitons. Je crois que c'est de la corde et du métal. Minerai de fer et corde. Ouais, à la limite, on peut... À la limite, j'ai envie de dire, on peut... prendre la corde. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Maximum de points de bravoure, c'est pas intéressant pour le moment. Transport augmenté, on n'a pas vraiment de problème de transport. Il nous faut de la nourriture en fait. Coup de recrutement, c'est pareil, pas intéressant. Crown après un combat, ça peut être bien. Pas grand-chose de très intéressant pour le moment. Alors, on va regarder pour le craft en fait. Donc on pourrait prendre des armes. Ou des meilleures armures. Là du coup on pourrait faire... On peut commencer en fait les armures qui sont moyennes, lourdes et légères. Donc ça c'est en métal. Donc à chaque fois il faudrait du métal, du cuir et du tissu. C'est beaucoup de matériaux surtout au début. Et on a aussi les casques maintenant. Ça aussi les casques ça n'existait pas à mon époque. Pour les armes par contre c'est un peu plus... facile pour nous. Donc de là par exemple on pourrait faire une épée à deux mains, une hache. Je pense que le mieux c'est ça. Donc ça c'est une épée à quoi? Une main ou deux mains?
deux mains. Ça, c'est épée à une main. Ça, c'est hache à une main. On pourrait faire ces deux-là, pour parce que ça nous ferait deux personnes avec une nouvelle des nouvelles armes. Après, on a dague et arc de ce côté-là. Je pense qu'on peut prendre ça pour avoir des meilleures armes. Ouais, on peut prendre ça pour le moment. On va leur dire aux autres de partir. We came to hunt for food, beginning to wonder if we did the right thing coming here. I see. Thanks to you, we'll get. Ah, très bien, on récupère la corde. On va récupérer du métal. Les plantes. Très bien. Ouais, il nous faut absolument de la nourriture. On essaye de gruger sur la barre le plus possible. Ok. Une fois que vous avez dépassé les 50%, ça, vous avancez quasiment plus. Compagnon donne un bonus aléatoire. Pourquoi pas. Attendez. Alors, hop, hop. Faire ça. Faut faire attention parce que si on met de l'alcool, ils peuvent être alcooliques. Et après, il faudra de l'alcool à chaque fois. Ok, très bien. On a eu un bonus. Alors ça, je sais pas si ça fonctionne bien, en fait. Cette pierre-là. Parce que j'ai jamais vu de bonus, en fait. Sur le personnage en lui-même. J'ai jamais vu un bonus ici, en fait. Donc, bon. Je présume que ça marche pas. Ok, on descend. Alors là, on a des gens. On peut peut-être en prendre en embuscade. Là, on a quoi? On a une ferme prospère. Il nous faut de la nourriture. Il nous faut absolument de la nourriture. Alors, on a ça. Mercenaire, accepté. Ça marche. I am terribly sorry. Do not take pity on this Edoranian leech. Est-ce qu'on a d'autres choses à prendre ou pas? Non. Il y a rien qui brille. Ça va, on peut se casser. Donc, ils nous ont donné une mission. J'ai pas vraiment lu. C'est le condamné. Alors, prévenez les amis du condamné au nord du lac avoisinant. Ça marche? Il y a du bois. On va prendre le bois. Alors, là, on est de retour. Ouf. Je me rappelle même plus. Stormcap et comté d'Arthès, ça marche. Ah, là on a des missions qu'on peut faire. On a des missions qu'on peut faire. Donc ça c'est protégé. À la limite, on va peut-être rentrer pour récupérer de la nourriture. Honnêtement, la nourriture va être un problème si on se laisse comme ça aller. Might I interest you in my humble way? Sur niveau 6, ouais, on peut vraiment pas faire de choses comme ça au début. Ça, on va le vendre. Est-ce qu'on a d'autres choses à vendre? Non. Non, merde. J'ai vu des gens aller dans les. Ah, ok, c'est les soldats, ça marche, c'est la garde. Eux, on pourrait les attaquer. Mais avant ça, je veux. Je veux aller prendre de la nourriture. Alors aussi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on débloque des choses. Compendium, l'atelier. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la marmite. Il faudrait qu'on débloque la marmite assez tôt aussi. Genre, il faudrait déjà potentiellement l'avoir. Ça aussi, ça n'existait pas à mon époque. Donc ça va nous permettre en fait de transformer la nourriture, genre faire cuire la nourriture et tout ça. C'est vraiment très 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 utile. On n'a pas vraiment de gens pour... on n'a pas assez de gens en fait. Mais c'est vrai que... à la limite la pêche c'est pas très très important pour le moment. Mais genre la marmite serait très, beaucoup plus importante. Alors... You touch it, you buy it. On ferait 30. 30 aussi. On est à 2 jours.
those refugees. Ça, c'est un peu cher, par contre. Alors, le sel, pour le moment, c'est pas important, parce que, bah, on peut pas vraiment l'utiliser. Donc, You touch it, you buy it. Ça, ça nous fait 4 jours. Ça va, 4 jours. Très bien, on va récupérer notre récompense. Ok, nickel. Alors, des rumeurs évoquent le tombeau. Donc ça, il faut juste trouver le tombeau. Donc on peut prendre la mission à la limite. Il faut juste trouver le tombeau. Une fois que vous êtes devant le tombeau, en fait, ça s'active. Donc ça va. Et toi, tu as ça. Ah, c'est moins cher. Ça fait 144. Non, pour le moment, on est sur un peu la limite. Mais honnêtement, là, on se débrouille bien. On se débrouille bien. On va peut-être s'arrêter là, même, parce que ça va faire quarantaine de minutes. Donc, on va peut-être s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que, déjà, bah, les réfugiés ne tapaient plus à la torche. Donc, yay, c'est super bien, honnêtement. Aussi que, bien sûr, les nouveautés comme les plantes là sur le terrain de combat qui permettent d'enlever tous les dots qui existent et vous soigner un peu. Et si vous êtes mourant, ça permet aussi de vous remettre sur pied. Extrêmement utile, ça m'a sauvé la vie d'un personnage, tout simplement. Donc il y a quand même énormément, je dois être honnête, honnêtement le jeu est devenu beaucoup plus simple, je pense que ça a une mauvaise connotation de dire plus simple, mais il a été beaucoup plus abordable, il y a beaucoup plus de solutions en fait aux problèmes. Parce que si vous regardez mon tout premier let's play sur le jeu avant qu'il sorte, donc avant la 1.0, hein, donc en Early Access, c'était difficile. C'est très très difficile. Il y a aussi un truc que j'ai pas regardé ici. Ouais, on l'a pas encore. Ok, ça marche. On verra ça après. Mais on va pouvoir avoir aussi un coffre et tout ça pour emmagasiner la nourriture et tout. Donc la prochaine fois, je pense qu'on va partir de ce chemin-là. Et je crois qu'il y a un événement là dans une grotte et tout ça. Et on va pouvoir choisir de quel camp on se met. Nos personnages ont bien avancé. Ah ! Avant qu'on se quitte, le craft, évidemment. Parce qu'on n'a pas fait ça pour rien. Donc on pourrait prendre on peut faire une épée et une hache. Ben, c'est parfait. Donc épée à une main. Nickel. Nickel, nickel. Voilà, très bien. Elle est 2 étoiles. Ça aussi, avant, c'était beaucoup plus difficile de faire des choses de bonne qualité. Et on va faire une hache en fer. Après, c'est quoi? C'est une batte, mais les battes, on peut pas les utiliser. Très bien. Joli. Très joli. Donc maintenant, on a ça. Nickel. De 10 à 13, on était à combien? On était à 6-8. Maintenant, on est à 10 à... Là, on commence à avoir des vraies armes. Là, on est à 8, 10. Et là, on passe à 12, 15. Donc là, on va commencer à taper un peu plus fort. Donc, c'est une très, très bonne chose. Très bonne chose. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je pense pas qu'on puisse faire autre chose. Non. Non, non, non. On peut faire autre chose. Une tâche supplémentaire, ce serait un cuir. Il nous en manque. Il faudrait qu'on aille combattre des sangliers, en fait. Je voulais combattre les sangliers dans la montagne, mais la montagne ils sont encore très très haut niveau, donc comparé à nous, donc ils nous auraient complètement massacré. Ils nous auraient vraiment massacré. On peut lui vendre ça. À la limite. Un peu d'argent. On a encore 17 de ça, très bien. Je crois qu'on, vu qu'on a 2 potions, on peut peut-être, parce que j'ai pas encore débloqué, voilà, alchimie, mais il faudrait du coup changer de job. Ça, c'est un peu embêtant. Le bricoleur pour le moment. Le mineur, c'est important parce qu'on mine le minerai pour faire du craft. Forgeron, important pour le craft. Pêcheur, pas vraiment. Bricoleur, techniquement, oui. Bricoleur, en fait, c'est très. Bon, maintenant, ça a été changé encore une fois, mais c'était long à augmenter. Donc, je conseille pas de le changer. Par contre, le pêcheur, c'est pas ultra, ultra important au début. Donc on pourrait peut-être faire des potions. Sinon c'est combien?
My concoctions can heal the most grievous injuries. 39 lunes. Be sure to hold on to the vials after using them. Parce que là, ça serait faire ça en fait pour faire des remèdes. Et j'avoue que c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher de les faire nous-mêmes hein, que de les payer. Donc ouais. On va le faire. Même si le bricoleur pour le moment. Ah non mais le bricoleur on en a besoin, même quand on dort le bricoleur en fait il est utile. Donc on va faire une alchimie. Donc on perd on perd l'expérience hein, mais c'est pas grave. Pour le moment on est obligé parce qu'on a que 4 personnes. Donc il faut faire avec, c'est comme ça. Donc on va faire les deux remèdes. Voilà, très bien. De toute façon après vous aurez tellement d'objets et tout ça, après tout sera facile en fait pour augmenter en expérience. Donc ça c'est une bonne chose. Alors on a ça. Alors maintenant, est-ce qu'on peut améliorer notre équipe ou alors... Vitesse de déplacement. Ou alors, est-ce que... Non, il n'y a rien d'intéressant. L'atelier, j'avais dit qu'on voulait potentiellement... Ah mais la marmite, on peut la crafter déjà? Attendez, la marmite, on la craft comment du coup? Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. C'est là? Ah oui, c'est là en fait. Non, mais on peut le faire dès le début, j'ai rien dit, c'est de ma faute. Oui, on pourrait le faire, et on aurait dû potentiellement le faire en fait en avance, parce que quand on assigne quelqu'un, on réduit la consommation de nourriture et tout ça. Donc c'est une très bonne chose. Ouais, il nous faudrait des minerais de fer. Ouais. Faudrait qu'on fasse tout ça. Il y a beaucoup de choses à récupérer. Il y a ça aussi. De choses à faire en même temps, c'est chiant. Pas grave. Donc du coup, on peut se concentrer sur autre chose. Les fentes, on n'en a pas besoin. Alors là, c'est l'atelier amélioré, ça c'est le feu de camp amélioré, mais après, il faudra le crafter de toute façon. Donc il nous faut du grès et tout, donc c'est pas encore maintenant. Là, est-ce qu'on peut améliorer... Le plus important, en fait, c'est d'améliorer nos personnages, en fait, nos compagnons pour le moment. Donc on pourrait faire ça. Donc là on aurait la dague et l'arc. Et en fait ça couvrirait tous nos gens. Ou alors on passe dans les armures. Mais j'avoue que les armures on risque de les trouver en fait. Donc c'est peut-être pas vraiment très important. Je pense qu'on peut maintenir ce point et le garder pour le moment. On n'a rien qui va vraiment nous aider. À la limite c'est ça pour l'argent. Récupérer un peu plus de chrones à chaque fois. Mais je conseillerais de le garder. On va s'arrêter là? On va s'arrêter là. La prochaine fois, on essaiera de récupérer... Enfin, la prochaine fois, je dis ça. Mais c'est vraiment... Je suis pas sûr, en fait. Encore une fois, je suis pas sûr que si vraiment je vais continuer. Mais grosso modo, c'est là, ça se passe très bien. Et en gros, ce qu'il faudrait faire pour la prochaine fois, c'est continuer, en fait, d'améliorer nos compagnons. Genre en tant que armes et armure, surtout. Genre par exemple récupérer des meilleures choses ou alors crafter des meilleures choses. Et ça, ça va nous aider. Surtout les armes, les armes ça va vraiment nous aider. Il nous faudrait une nouvelle dague, enfin quoi que cela le passe encore. Mais un nouvel arc, ça serait vraiment bien pour qu'il fasse au moins une quinzaine de dégâts, ça serait cool. Et là on aura un petit avantage, on commencera peut-être à presque one-shot les gens et tout ça. Donc c'est ça qui est bien. Après pour ce qui est de l'argent, même avoir payé en fait 100... Bah ça va, pour le moment on est à 144, 260, donc on peut se maintenir, il faut qu'on aille faire ça pour récupérer de l'argent, et on fait un aller-retour. De la nourriture, ça il n'y a pas de problème, on a, donc on va pouvoir gérer le reste, donc ça va. Ça se passe bien, ça se passe très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, je ne sais pas encore si je continuerai par la suite, mais j'espère que ça vous aura aidé, et bien sûr, pensez évidemment à faire les marmites et tout ça, donc ça aussi. Mais voilà, mais tout prend du temps parce que ça demande en fait pas mal de matériaux. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.